Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Star Wars Jedi Survivor. Comme d'habitude, 4K 60 FPS. Et on est parti pour se faire plaisir à la recherche de Bod. Comme toujours, on doit lui casser la gueule. Étant donné qu'il nous a trahis, je pense pour de bonnes choses, mais une trahison reste une trahison. Et ça, j'ai envie de vous dire, ça fait mal. Allez. Voilà. Et toi, viens par là. Désolé, tu m'as aidé, t'as été cool et tout. Mais j'ai quand même envie de te casser la gueule parce qu'il faut que je me défoule. On a un petit robot qui est fort sympathique. Mort. Aujourd'hui, je suis très énervé. Encore une fois, je déteste ces traîtres. L'intrus a été identifié comme étant le terroriste Jedi Cal Kestis. Terroriste, tout de suite les grands mots. Les murs d'électrons ont été activés. À tout le personnel, restez à l'écart. La plateforme doit être ailleurs. Waouh. Ok, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose là. Comment ça, la plateforme doit être ailleurs? Comment ça, la plateforme doit être ailleurs? Là, on a quoi? Ça me dit rien qui vaille. Oh, attendez. Je suis un fou. Départ non autorisé. Demande de de merde. Oh là là. Sérieusement là? Cassage de gueule comme ça? Oh, c'est pas vrai. Ça commence fort. Aide-moi. Ok. Je veux cette promotion. Tous sur la cible. Je ne suis pas une menace. Battons nous côte à côte. La cible se déplace. C'est pas vrai, frère! Tout est si chaud. Je me fais casser la gueule. Ok. Couleur d'inquisiteur. Oui bah oui. Oui bah oui oui oui. Toujours plus en... Bon.
Je me suis bien fait détruire. Oh, waouh. Avertissez le commandement central. Oh wow. Ok. Donc. Infernal, hein, ce combat de merde. Votre défaite est proche. Oh. Réussi. Oh. Je suis touché. Mais c'est pas vrai. C'est le pire truc all time de ma vie. Oh là là, c'est horrible! Les portes laser sont désactivées. Oh, oh super. Voilà, tu m'en verras ravir. Ok. Petite save, je dis pas non, hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je vais mourir, ça va être horrible. Cal Kestis, je m'attendais à te voir sur une chaise d'interrogatoire pour notre première rencontre. J'ai déjà entendu ça. Et je suis toujours là. Demandez par radio de mettre fin à l'alerte. Sinon quoi? Tu es un Jedi. Je sais ce que tu peux faire. Et ce que tu ne feras jamais. Activez la radio, maintenant. Ici le commandant Denvik. Le Jedi a été neutralisé, fin de l'alerte pour toutes les unités jusqu'à nouvel ordre. Satisfait? Je viens chercher Baud Hakuna. Comment as-tu trouvé cette base? Avec une balise de repérage sur son vaisseau. Une négligence plutôt inhabituelle. Ces rapports indiquent que vous êtes devenu très proche depuis Coruscant. C'est vous qui l'avez envoyé infiltrer notre groupe? Exact. Baud est mon bras armé depuis quelque temps déjà. Il est très efficace. Pas comme ces abominations en armure de l'Inquisitorius. Alors c'est vrai. C'est à cause de vous que Cere est morte. Non. L'opération de Jedha est dans plusieurs mois. Mentez ! L'Empire a brûlé les archives, conduits par Dark Vador. Seigneur Vador ? Il est encore temps de les arrêter. Tu ne comprends pas ? Baud t'a attiré ici pour me détruire. Ils arrivent. Je vais me faire tuer. À moi que... Oui. Ok... Infiltration. Je veux save, les gars, je veux save, je vous en supplie. Je veux juste save. Quelque chose d'intéressant? Sinon, tout va rester... Tout regarde ça. Long. Ok... Est-ce que c'est vraiment utile, cette tenue? Ok...
faire. Là, très bien. Est-ce que ça va vraiment nous être utile? Une petite save, je dis pas non toujours, hein. Ça bouge pas, ça, hein. Baud devra passer par nous pour atteindre son vaisseau. Vite! Je veux save, s'il vous plaît. Y a qu'une putain de save sur cette planète. Toi, notre couverture est fichue. Ok, salut mon pote. Je suppose qu'il va falloir aller là, c'est ça? C'est évident. Bonne idée, BD. On se voit de l'autre côté. Ok. Où est-ce qu'ils interrogent le Jedi? Pourquoi? Vous voulez l'interroger? C'est ça. Les Stormtroopers ont reçu un entraînement de résistance sur les joueurs sages. Les plus faibles peut-être le Jedi. Oui, précisément. Il est encore en vie? Cette vie qui a été neutralisée. Il a pas dit mort. Ouais, c'est vrai. Mais c'est okay. Pas facile d'en capturer un... J'aime bien jouer un petit peu RP, voilà, faire comme si j'étais vraiment en infiltration. Ok. Point de compétence obtenu, je dis oui. Bonsoir. Le quartier des officiers, s'il vous plaît. Une nouvelle recrue, j'imagine. C'est ça. Eh bien, ce manque d'orientation n'est vraiment pas une bonne première approche. Maintenant, sortez d'ici. J'ai pas le temps pour vous. Merci pour l'accueil chaleureux. Encore un mot, et je te signale pour insubordination. Incroyable. C'est un sacré coup pour Denvik. Battre les Inquisiteurs à leur propre jeu. Ne dis pas ça devant nos invités, surtout. Invités? Ils nous surveillent, plutôt. Ok. Oh, bien sûr. Et on les surveille. Vous suivez qui, les gars, pour save J'ai un rendez-vous. Et quelle est la nature de ce rendez-vous? C'est confidentiel. Je suis habilité. Le central aurait dû le signaler. Je vais devoir appeler un droïde de sécurité. Ne bougez pas. Envoyez un droïde de sécurité! C'est vraiment nécessaire? Laissez-moi passer, maintenant. Non, pas sans autorisation de sécurité. Okay. Laissez-moi passer, et je glisserai un mot pour vous à Denvik. Un mot à Denvik. Oui. Allez-y, officier. Are you sure? Putain, les gars, c'est pas possible. Elle est où, la save, là? Sois prêt à tout. Ça va partir en cacahuète, hein. Vous aimez la cacahuète? Ok. Pirate là. Ok. Une save. Il est pas là. On va chercher. Une save, merci. Merci! J'ai cru qu'on n'allait pas y arriver. Ok. Alors, déjà, se reposer. Ça, ça fait le plus grand des biens. Ensuite, compétences. Survie, je crois que j'ai tout. En vrai, oui, j'ai totalement tout. Bah, y a ça, hein. Franchement, ça me paraît pas mal, hein. Ça me paraît pas mal. Ça, c'est quoi, ça? Ok, ça... Ça paraît pas mal. Oh, c'est stylé. C'est stylé. Ok, on est reparti. On va tout fouiller au calme. Tiens, scanne-moi ça. Salut Kata. Je rentre bientôt. J'ai un cadeau pour toi. J'ai hâte de te voir. Ok, un petit écho. Oh, c'est sa femme. Et sa gamine. Doucement, je sais. On est tout seul maintenant, Kata. Juste toi et moi. La fille de Baud. Et sa mère. Il récoltait des infos sur nous pendant tout ce temps.
Aïe, 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 aïe. C'est donc son appartement, il est très sympa. Ok. On va resave, c'est juste pour éviter de refaire ça, si on part sur une cinématique slash boss. Bon, c'est reparti. Eh bien, écoutez, il n'y a pas grand-chose à faire, si, pirater ça. Il avait une belle vue, hein, chacal, hein. Ok. Un disque de données. Plutôt vieux. Voyons ce qu'il y a dessus. Ok. Fait quoi, on se barre ? Non. Très bien. T'as quelque chose ? C'est le holo que Dagan visionnait. Désolé. Tu m'as fait peur. Tu dois être Kata. Moi, c'est Cal. Et lui, c'est BD1. Ravi de vous rencontrer. Où est ton père, Kata? Il a dit qu'on partait en voyage. Tu ne travailles pas ici, pas vrai? Non. Tu es la première à l'avoir deviné. T'es vraiment un Jedi? Oui. Je le suis. Je dois finir de faire mes valises. Je trouve pas ma poupée Mookie. Oui, on va t'aider à chercher. Oui, Mookie. Il me ressemble un peu. Un peu. C'est ma maman qui me l'a donné. Kata. Ton père t'a dit où il voulait t'emmener? C'était censé être une surprise. Mais vous êtes arrivé un peu plus tôt que prévu. Viens là, Kata. Papa, qu'est-ce qui se passe? Lui, c'est mon meilleur ami. On s'est disputé, mais on va tout arranger. Pas vrai, Cal? T'as trouvé Mookie? Tu étais un Jedi? Ouais. Comment t'as survécu à la purge? J'effectuais des missions d'espionnage pour le Conseil pendant la guerre des clones. Ça m'a appris à ne laisser aucune trace derrière moi. Je me suis caché. Je me suis méfié de tout le monde. Ça te rappelle quelque chose? Ouais. Mais ensuite, j'ai rencontré une femme extraordinaire. Ta maman. Un jour, Kata et moi, on était partis faire des courses, et j'ai reçu ce message. Ne rentrez pas. Les Inquisiteurs. Ils me cherchaient. Ma femme a gagné du temps pour qu'on s'échappe. Je pouvais pas passer ma vie à fuir. Alors j'ai conclu un marché. Benvik, nous garde en lieu sûr. Tant que papa peut se rendre utile. Tu nous as raconté des mensonges dès le départ. Tanalore était un refuge pour nos deux familles.
Mais tu allais tout révéler au passage. Tout révéler à une bande d'inconnus. Et toi, tu allais sacrifier la vie de milliers de gens dans le seul but de t'en sortir. Tu es un monstre, Baud. Non. Je suis un père. La première fois que je l'ai porté, j'ai vu la galaxie tout entière dans ses yeux. Tu peux pas comprendre, Cal. Ce que je comprends, c'est ta trahison. Et tu m'as attiré ici, pour que je détruise cette base. C'est ça ? Ben, combattre l'Empire, c'est ce que tu sais faire de mieux. Cours ! Ah ! L'intrus est dans mes quartiers ! Il est armé ! Tirez pour tuer ! Je me suis dit, il va être cool parce que il est pas si con que ça, mais il est totalement con, hein, donc on va devoir malheureusement le tuer dans d'atroces souffrances devant sa propre gamine. Waouh. Écartez-vous. Je ne suis pas ennemi. Oh. Oh, ça découpe, hein. Oh, ça découpe! Il faut se dépêcher. Ouais, je suis un peu vénère, ouais. J'ai cru comprendre que ça se voyait. Ah oui, je suis même très énervé. Ok. On s'en a avoir marre de vos conneries. Qu'est-ce qui se passe ? Arrête ! Non, je vais pas faire ça ! Chier ! Bon, merde ! Waouh ! Anne Solan, oh, trop bien. Et ben voilà. Trop slay. Par contre, il est passé par où, le frère? Non, somme toute logique, il est passé par là-haut. Là, faut détruire toutes les grosses portes. Ok. On sait être énervé, ça se voit. À ce point, je crois. Ah ouais, je suis énervé à ce point, je crois. Beau de la Rolande. Ok. Ok, les amis, il y a une save, vous savez ce que ça veut dire, c'était trop stylé cette petite phase de plaisir infini.
Let's go. On doit retourner au Mantis. Ok. Meryn ! Cal ! Qu'est-ce que tu fais là ? À ton avis, je suis là pour te sauver ! Oh non, elle va mourir aussi ? Derrière toi ! Ça les emmerde, là. Merde de fou. Yo. Caroto. Mais très très chiant. J'ai besoin d'un steam. Ça va? Oui, ils sont encore dessus. Ok. Vous avez vu comment j'ai jonglé avec le sabre? Oh waouh. Ça c'est impressionnant. Finissons-en. Il est parti. Il a pris sa fille et le compas. Je leur ai servi de diversion. Bon sang. Vas-y, Jedi. Fais-le. Fais-le. Mieux vaut toi que le Seigneur Vador. Qui est-ce? C'est lui qui a envoyé Bo d'après nous. Mon équipage. Cordova. Serré. Ils sont tous morts, lui. C'est ce que Baud veut. Je sais que tu souffres, mais ça ne te ressemble pas. L'Empire nous a déjà trop pris, Cal. Ça suffit. Je refuse de te perdre aussi. Non, promis. Retrouve-moi, Mantis. Salut les Inquisiteurs de ma part. Ok. Je vais bien. Je vais bien, BD. T'as pas à t'en faire pour moi. À deux doigts de passer du côté obscur avec ces conneries, hein.
Bon, bah y a rien à fouiller. J'ai checké au cas où, quoi. Je veux dire. J'avoue que j'ai cru qu'on allait affronter Bod. Je me suis dit, putain, 4 Steam. En plus, c'est une phase, elle aurait été très très chiante à refaire si à chaque fois il m'éclatait la gueule. Donc pour le coup, pas peu fier. Pas peu fier, je vais pas vous mentir. On va pouvoir sauvegarder devant le Mantis. Ok, s'arrêter là. Allez les amis, on est parti. Une petite save. Et prochain épisode, eh ben, toujours à la poursuite de Bod. Hein. Ça s'arrêtera jamais, je crois, ce Bod. La force est avec nous. Allez, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. A bientôt tout le monde pour la suite de notre incroyable aventure. Bisous, bye bye.